Bon midi tout le monde, bienvenue à notre appel en ce mercredi 13 novembre. Aujourd'hui, on va parler de principalement une nouveauté qui s'en vient, le programme Bar Blend avec Élise. On a eu un appel lundi dans Beachbody Franco, mais je voulais vraiment prendre le temps de vous décortiquer plus en détail le programme, en quoi ça consiste, les options de package, les dates importantes à savoir, puis comment bien se préparer. Ensuite de ça, on va voir aussi les autres nouveautés qui vont s'en venir éventuellement. Donc, les Beach Bars, le 10 Rounds et aussi les abonnements mensuels au programme alimentaire Ultimate Portion Fix et To Be Mindset. Donc, j'ai préparé une présentation. Je vais partager l'écran pour que vous puissiez voir ça. Donc, je vais prendre. Et voilà. Fait que vous voyez bien. Oui, super. Donc, Bar Blend, c'est un nouveau programme qui va sortir, en fait, il va être disponible sur Beachbody On Demand pour les gens qui vont se prendre l'accès anticipé à partir de janvier. J'ai eu l'occasion de pouvoir l'essayer à la Leadership Retreat. J'avoue que j'étais un peu comme sceptique vis-à-vis de ce programme-là. Je me disais, ça va être un programme qui est plutôt débutant. Je suis vraiment pas la fille qui fait du ballet ni de la danse. Je suis, tu sais, vraiment comme très carré là, dans mes mouvements. Puis, j'étais vraiment, c'était pas le genre de programme que j'aurais eu envie de faire naturellement. Mais là, on avait la possibilité de l'essayer, donc je suis allée. J'ai été vraiment très surprise à quel point ça travaille fort. Honnêtement, là, c'est très pointu comme mouvement. On va aller travailler comme les muscles de manière vraiment pointue. Puis, en répétition, comme l'intensité, tu sais, ça n'arrête pas. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait Payo, mais c'est un programme, tu sais, comme avec la musique, tout ça. Le rythme est rapide, puis ça n'arrête pas une seule seconde, mais c'est un peu le même principe, mais encore plus intense. Puis, on va avoir aussi des poids qui sont intégrés dans les exercices. Donc, ça va vraiment aller faire un melting de, le bar, oui, un peu de yoga, mais aussi comme fitness générale avec des mouvements comme des burpees, puis faire des genres de mouvements là, avec des poids comme qu'on fait en fitness, mettons avec 21 des fixes ou des trucs du genre. Donc, c'est très varié. On n'a pas besoin d'avoir de bar pour pouvoir faire le programme. On peut le faire avec une chaise, avec un comptoir, avec un sofa, avec n'importe quoi qu'on a à la maison qu'on peut s'appuyer finalement. Ça, c'est une première chose qui est importante de savoir. Ensuite de ça, au niveau des équipements, principalement, on va avoir besoin de poids libre. Il y a aussi l'option de faire les mouvements avec des bandes élastiques résistantes pour ajouter un peu d'intensité. Mais c'est optionnel. Un tapis confort là, peut être utile aussi, comme dans n'importe quel programme. Puis, il y a des bas qu'on va voir un petit peu plus loin dans la présentation qu'on peut s'acheter aussi pour faire les exercices. Donc, c'est un programme de 60 jours qui est composé de 40 séances d'entraînement qui sont uniques. Donc, c'est vraiment, chaque séance est différente. On a 5 jours par semaine d'entraînement, 2 journées de repos, puis les entraînements vont être en moyenne entre 30 et 40 minutes par entraînement. Le programme va être disponible en audio et sous-titres anglais, espagnol et français, comme la plupart des nouveaux programmes. Puis, on a des modificateurs, donc on est en mesure de pouvoir adapter le programme à notre niveau. Donc, on va avoir un modificateur débutant, le régulier, puis tu sais, comme si on veut aller un petit peu plus intense, il y a aussi des alternatives qui sont proposées pour aller encore plus en intensité dans les exercices. Ensuite de ça, le programme est évolutif. Donc, de la semaine 1 à la dernière semaine, on va augmenter l'intensité à toutes les 2 semaines. Donc, ça nous permet d'avoir une progression au niveau de notre condition physique. Ensuite de ça, il y a possibilité de faire comme je disais tantôt, là, avec les versions modifiées, dans le fond, faible impact ou à haute intensité. Donc, tu sais, on pourrait, par exemple, faire le 60 jours à faible impact, puis après ça, continuer en le faisant avec les sauts, qui va faire en sorte qu'on continue quand même d'évoluer, puis on pourrait faire le programme pendant 120 jours si on voudrait, tu sais.
Ensuite de ça, il y a des bonus qui viennent avec le programme en supplément des 40 séances qui sont de base là, dans le programme. Ils ne sont pas obligatoires, on peut les ajouter à n'importe quelle séance. Ce n'est pas nécessairement des abdos, ça va être des exercices qui vont travailler un peu tout le corps. Puis, on a aussi des séances de recovery qui vont être disponibles pour pouvoir aller soulager les tensions, puis travailler un peu en mobilité, etc. Le programme va aussi avoir deux séances préparatoires. Donc, il va y avoir un genre de calendrier préparatoire qui va être disponible à partir de décembre. Je vais vous montrer ça plus loin. C'est pas mal ça pour les détails. Aucune expérience requise là, en ballet ou en danse. Comme je disais tout à l'heure, on est capable. T'sais, c'est sûr que oui, on va travailler sur les pointes. Ça va nous sortir de notre zone de confort, mais on n'a pas besoin d'avoir nécessairement d'habileté là-dedans. Puis, c'est sûr que ça va nous permettre, quand on travaille des petites faiblesses, des petits points qu'on n'est pas nécessairement les meilleurs là-dedans, bien, c'est signe que c'est des choses qui ont besoin d'être travaillées. Puis ça fait toujours du bien aussi de changer de style d'entraînement pour pouvoir aller être en forme, non, pas, comme globalement. Là. Donc, le programme va être disponible en accès anticipé du 13 janvier au 31 mai. Donc, c'est seulement en juin que les gens qui ont la plateforme, la bibliothèque régulière, là, qui va être disponible sur la bibliothèque régulière. Donc, les gens qui se procurent l'achat anticipé vont avoir accès du 13 au 31 janvier avant tout le monde. La période d'achat. Je trouve pas mon menu. Je vais être obligée de partager. Ok. C'est fait. Fait que vous voyez toujours mon écran. On recommence. OK. Donc, la période d'achat pour coach va débuter le 3 décembre. Puis, quand on va se procurer le 3 décembre l'accès anticipé, on va avoir les 10 premières séances du programme qui vont nous être tout de suite données, disponibles sur notre bibliothèque de Beachbody On Demand, mais vont être seulement disponibles du 3 au 15 de décembre. Donc, le 16 décembre, à l'ouverture de la période d'achat générale, là, les 10 séances vont partir, comme ça avait fait pour le Morning Meltdown 100. Donc, c'est sûr que c'est un bel incitatif pour nos clientes de leur dire, tu sais, vous pouvez vous inscrire comme coach à rabais, vous allez pouvoir essayer les 10 premières séances du programme tout de suite. Puis pour nos coachs aussi, la possibilité, puis pour nous aussi en tant que coach, de se le procurer d'avance pour pouvoir être en mesure de bien le présenter aux clientes par la suite pendant le mois de décembre, en début janvier, quand ça va être le temps des résolutions, puis que ça va être le blitz d'inscription pour notre premier défi du mois de janvier. On va avoir déjà expérimenté, on va pouvoir aussi avoir pris des vidéos pendant que on s'entraîne pendant ces 10 séances-là pour en faire la promo, tu sais. Fait que c'est vraiment un bel incitatif là, qui nous est offert du 3 au 15 de décembre. Donc, peu importe quand on s'achète le programme dans cette plage-là, on va avoir les 10 séances, mais c'est sûr que, tu sais, rendu au 14, on n'aura peut-être pas le temps de faire les 10, mais on peut l'acheter quand même. Il va y avoir un rabais de 20 US, donc ça va nous donner 24 canadiens qui va être disponible sur les packages. Et ça ne sera pas un code promo, on va le voir plus loin. C'est vraiment le rabais qui est appliqué directement sur le pack pour le lancement. Ensuite de ça, tous les gens qui ont acheté en novembre un challenge pack vont avoir automatiquement un email avec une réduction pour un achat de pack d'accessoires ou l'accès digital. Donc, 20 US sur le pack d'accessoires ou 10 US sur un accès digital. Donc, c'est un incitatif qui fait en sorte que nos clients peuvent commencer tout de suite leur mise en forme avec, par exemple, je ne sais pas, 21 Day Fix ou n'importe quel autre programme dès novembre, puis quand même pouvoir avoir le rabais spécial sur le Bar Blend quand il va sortir le 3 décembre ou le 16 en inscription régulière. Important de savoir, avec le programme, on a, le matériel, là, tout ce qui est le guide de nutrition, etc., blablabla, mais il y a une particularité de ce programme-là, c'est que Elise veut vraiment nous amener à un état de bien-être
non seulement physique, avec la nutrition aussi, mais en faisant du développement personnel. Puis, il y a des cartes de motivation quotidienne qui s'appellent les cartes I am, qui, à chaque jour, tu sais, dans le fond, on a une carte à tourner pour avoir une pensée de motivation puis de bien-être là, au quotidien. Donc, il y a des exemples là, dans le bas des cartes que on va avoir et ça va être vraiment là, un package qui va être inclus. Puis, il y a 5 cartes vierges aussi qui viennent avec. Ensuite de ça, qui ne sont pas inclus avec les packs, mais qu'on peut se procurer, les bas. C'est des bas là, pour les entraînements. Au prix coach, ils vont être à 18 $, 14,40 $, au prix cliente à 18 $. Et il y a des frais de shipping, là, évidemment. Par contre, c'est sûr que ça paraît moins si on les ajoute dans le challenge pack que si on achète juste les bas toutes seules. C'est ça. Il y a la possibilité d'acheter les bas. Les cartes peuvent s'acheter aussi. À part si, par exemple, quelqu'un voudrait en racheter ou quelqu'un fait un autre programme et voudrait juste avoir les cartes, c'est quelque chose de possible. Donc, c'est 24,95 $ pour les clientes, 18,71 $ pour les coachs et des frais de shipping, évidemment, pour ça aussi. Il va y avoir des offres promotionnelles qui vont être mises de l'avant avec les Challenge Pack. Le boost collagène, entre autres, parce que Elise va en parler dans son programme, puis elle promouvoit beaucoup ce produit-là pour la beauté, là, puis tous les bienfaits que le boost collagène nous apporte. Ensuite de ça, il va y avoir les, évidemment, bandes élastiques résistantes. Restante, j'ai fait ma présentation vite, pour pouvoir faire la version intensifiée. Donc, on va avoir la possibilité de les ajouter à nos packs et les bas en offre indépendante aussi. Au niveau des packs de défis, donc la compagnie a prévu 3 options pour les packs défis et les packs complémentaires. Donc, il y a l'option de base qui nous permet d'avoir soit le Shaco ou encore la gamme performance. Puis, comme d'habitude, là, le contenu du programme, donc les cartes IAM, le guide de nutrition Beachbody, le guide démarré pour le programme en soi et le Shaker Cup. Et c'est 186 $ en promotion pour ce programme-là. Donc, le 20 $, le 24 $ là, de réduction est inclus dans le prix à 186. Donc, après ça, ça va être à 210, le prix régulier. Ensuite, on a le pack de luxe qui va comprendre les 2 gammes de produits, Shaco et la gamme Perfo. Puis, le pack méga, qu'est-ce qu'elle a inclus, Elise, dans son pack? C'est évidemment le collagène parce que, comme je l'ai dit tantôt, elle en fait la promotion. Elle a inclus aussi le 3D Refresh parce qu'il y a vraiment un accent qui va être mis sur la nutrition dans le programme. Puis on va le voir un petit peu plus loin. Donc, de commencer son défi, surtout en janvier. On s'entend que ça risque d'être bien populaire, cette trousse-là, d'avoir le 3D Refresh inclus dans notre trousse et les Beach Bars parce que, ben justement, on mise beaucoup sur la nutrition puis on sait que les Beach Bars peuvent être une collation intéressante pour les gens qui sont pressés ou même juste comme ça parce qu'on a le goût d'avoir des bars. Donc, c'est un beau package qui va être offert à 356 $ canadiens. Donc, c'est vraiment là, un beau package. Ensuite, les packs complémentaires, mais c'est la même chose, c'est juste que le Beachbody on Demand n'est pas inclus. Donc, 150 pour le pack de base, 219 pour le pack de luxe et 319 pour le pack méga. Le pack méga complémentaire ne contient pas, là, c'est une constatation, là, je ne vois pas de Beachbody sur le pack que je viens juste de remarquer. Non, il n'y a pas l'air d'avoir... Oui. C'est juste que l'image n'est pas bonne parce que c'est écrit dans le texte, mais c'est pas l'image n'est pas là de Beach Bar. Mais c'est écrit dans le texte. Puis si je regarde le prix, ça fait de la logique que ça sera inclus. En tout cas, je vais aviser Beachbody de ça. Donc, ces images-là sont toutes disponibles dans votre coach en line office. Je vais vous montrer un petit peu plus loin où aller chercher ça, mais c'est déjà là. Fait qu'on a déjà tout le matériel à notre disposition vraiment là pour bien se préparer. Donc, à l'étape où est-ce qu'on en est actuellement, c'est de se familiariser avec tout ça puis de s'établir un petit plan d'action pour pouvoir en faire la promotion.
Donc, il y a aussi la possibilité, c'est vrai, de se prendre le kit de base si on ne veut pas avoir de package de trousse Challenge Pack. Et à ce moment-là, on va avoir tout le nécessaire, sauf les suppléments. Le kit d'accessoires est à 85 au prix cliente et 65 au prix coach. Et au niveau du volume, ça nous donne 52 PV, 52 TV pour celui-là. Puis, l'accès digital, c'est une autre option. Là, mais là, on n'a pas les cartes, on n'a pas le calendrier, on n'a pas le guide démarrer, on n'a rien. C'est-à-dire, on a le programme straight that's it, puis ça revient à 56 ou 46 comme coach. C'est sûr qu'on va miser sur la trousse des filles parce que, vous allez le voir, on mise beaucoup sur la nutrition. On sait à quel point tout se joue dans la nutrition, non seulement pour la perte de poids, mais sur le bien-être en général, tu sais, comment notre niveau d'énergie, c'est vraiment relié à qu'est-ce qu'on va manger, quels nutriments on va donner à notre corps pour se sentir bien. Puis, c'est aussi ce qui va faire en sorte qu'on va avoir des maux de tête ou des maux de ventre si on n'a pas une alimentation adéquate. Donc, c'est vraiment important de combiner les deux pour que nos clientes aient la meilleure expérience puis qu'ils soient fiers d'elles à la fin puis qu'ils aient des résultats puis qu'ils soient contentes d'avoir travaillé avec nous. Donc, il y a une intégration qui va être possible à partir de décembre avec le Ultimate Portion Fix et le To Be Mindset. Donc, il va y avoir un pop-up sur Team Beachbody qui va apparaître quand les gens vont magasiner le Challenge Pack de Bar Blend. Et là, on le voit, le pop-up, là, ça va ressembler un peu à ça. Donc, on va leur proposer de se procurer en plus le To Be Mindset ou le Ultimate Portion Fix avec une offre promotionnelle. Donc, le but, c'est, comme je disais tantôt, d'offrir une meilleure expérience, plus de résultats à nos clients. Puis en même temps, mais nous, ça nous permet de faire plus de volume, plus de commissions. Évidemment, on aime ça aussi. Donc, sur la page de vente de Barblend, il va y avoir aussi un highlight de ces deux programmes de nutrition-là pour que les gens soient au courant que ça existe et qu'ils voient la possibilité de les prendre. Dans les guides du programme, il va y avoir des mentions un peu partout dans les guides de Barblend du To Be Mindset et du Ultimate Portion Fix pour rappeler aux gens que ça existe. Et si les gens se sont procurés leur trousse le 3 décembre, reçoivent ça dans le mois de décembre, regardent leur truc, puis finalement, voient voyons, c'est quoi ce Ultimate Portion Fix? Ça a donc l'air intéressant, mais ils nous posent des questions, mais ils peuvent le racheter aussi par après. T'sais. Dans la vidéo d'introduction à la nutrition qu'il va avoir sur Beachbody On Demand, il y a toujours là, comme 2-3 vidéos avec les programmes là, qui nous donnent comme la nutrition ou des conseils de la part de la Super Trainer. Ben, elle va vraiment aller faire des mentions sur ces programmes-là pour les recommander fortement. Ensuite de ça, il va avoir un groupe. Ben, pas un groupe test, mais un groupe de coach avec Elise qui va avoir lieu en janvier. Puis la première semaine de ce groupe-là va être entièrement dédiée à la nutrition. Donc, c'est la semaine de préparation, le 6 là, avant le début officiel, le 13. Et elle va vraiment mettre un accent sur Ultimate Portion Fix et To Be Mindset. Puis probablement qu'il va y avoir Autumn et Lana qui vont venir aussi faire des apparitions dans le groupe pour offrir de l'information puis du soutien là, sur le niveau de l'alimentation. Et ça vient en parallèle également avec une nouveauté qui s'en vient, que je vais vous parler tout de suite. L'abonnement mensuel à de Monthly Fix et de Mindset Membership, c'est à partir de janvier. Dans le fond, les gens vont pouvoir être abonnés à un abonnement mensuel des programmes pour vraiment aller comme avoir un soutien supplémentaire. Ils vont être admis dans un groupe sur Facebook avec la créatrice du programme. Donc, par exemple, on y va avec Autumn, avec le Monthly Fix. Bien, chaque mois, les clientes qui sont abonnées vont avoir un accès 24 sur 24, 7 jours sur 7 à une communauté exclusive où est-ce que Autumn va être là, disponible pour répondre à des questions, interagir, donner de la motivation, partager aussi des recettes exclusives, des trucs, des conseils pour appliquer au quotidien le plan de nutrition. Et, tu sais, si vous étiez un membre du Master Series, ça va être un peu comme le contenu qu'on pouvait avoir, nous, en tant que coach dans ce Master Series-là, mais vraiment axé pour les clientes pour que tout le monde, finalement, puisse avoir les meilleurs résultats avec le programme puis faciliter l'intégration du programme au quotidien. Donc, le 3 décembre, les gens qui vont se procurer un pack défi, un kit To Be Mindset ou Ultimate Portion Fix, à partir de ce moment-là, les gens vont avoir
les 30 premiers jours d'abonnement gratuit. Puis, la manière que ça va fonctionner, c'est que, dans le fond, en décembre, les gens sont ajoutés dans le groupe Facebook, mais c'est seulement en janvier que ça commence officiellement. Donc, leur mois gratuit commence en janvier. Donc, ils vont être facturés seulement en février pour leur deuxième mois, s'ils désirent continuer. Quand les gens vont se procurer un kit de Ultimate Portion Fix ou To Be Mindset, ils vont avoir la possibilité, s'ils veulent, de décocher l'abonnement mensuel. Donc, de base, il va être coché, donc pour être abonné automatiquement à ce membership-là, mais ils peuvent le décocher. S'ils se cochent pour avoir droit à leur premier mois gratuit, ils peuvent aussi se désabonner à tout moment par la suite. Donc, le but, c'est encore là de donner encore plus de soutien aux gens pour pouvoir mieux intégrer les programmes d'alimentation parce que là, on se rend compte que les vidéos de formation sont là, les outils de formation sont là sur Ultimate Portion Fix, sur To Be Mindset, mais les gens ne vont pas nécessairement faire les formations, écouter les vidéos, regarder le contenu, puis n'appliquent pas les principes au quotidien, donc n'ont pas les résultats escomptés. Puis on sait que ces programmes-là sont ultra efficaces s'ils sont bien intégrés, mais avec un peu plus de soutien comme ça, les gens vont être en mesure de pouvoir mieux intégrer les principes, puis d'avoir du soutien continu dans leur démarche. C'est prouvé que ça améliore les résultats. On a des modèles qui sont similaires, comme le Weight Watcher, ou Noom, que moi je ne connais pas, c'est probablement quelque chose aux États-Unis, mais tu sais, comme avec Weight Watcher, l'abonnement mensuel, c'est entre 20 et 50 $ par mois. Avec l'autre, c'est 45 à 90 $. Là, on va pouvoir offrir un membership pour 24,95 $, donc c'est vraiment super intéressant. C'est sûr que les super trainers parlent en français, bien, on ne dit pas des super trainers dans le cas d'Ilana, mais en tout cas, les créatrices parlent anglais, mais le contenu va quand même être traduit, tu sais, puis les recettes, bien, c'est pas compliqué, les gens vont juste sur Google, puis ils vont faire traduction, puis ils peuvent les avoir en français, tu sais. Je pense que pour le prix, ça vaut la peine, là, cet abonnement-là. Donc, le matériel marketing est déjà tout disponible sur le COO. Vous vous rendez dans « Développer mon entreprise » et ensuite dans « Outils marketing » ou quelque chose du genre. Puis là, vous allez avoir tous ces outils-là qui sont déjà là. Donc, les packs, les images, comme je vous ai montré. Il y a plein d'images aussi si vous cliquez sur « Afficher plus ». Donc, comme entre autres, l'image qu'on voit à côté, « Essayer, laisser gratuit », des exemples, des petites cartes « I am ». Vraiment, il y a plein de contenus. Ensuite de ça, on a la vidéo promotionnelle qui est déjà là aussi, qu'on peut aller chercher pour partager. Puis on a le guide de formation qui va nous donner les détails, un peu comme je vous présente aujourd'hui là, de ça. Donc, vous irez faire votre tour au stade où on en est. C'est vraiment, comme je disais tantôt, d'aller chercher notre information, de se familiariser avec tout ça, pas de se lancer trop vite dans la promotion parce qu'on a vraiment une grande période de promotion avant le lancement qui est au 16 de janvier. Donc, vraiment, pour le moment, c'est d'aller chercher cette information-là puis de vous établir un petit plan d'action stratégique, comment vous voulez le faire, puis à qui vous allez vous adresser en premier, puis comment vous allez le promouvoir, etc. Le 25 de novembre, on va avoir la possibilité de faire un simple workout. Et comme les autres programmes maintenant, c'est plus juste une journée, donc il va être disponible, les gens pourront le faire plus tard. Donc, si dans votre campagne de promotion le 25 novembre, ça ne concorde pas, vous pouvez faire votre essai gratuit, tu sais, une journée spécifique plus tard, si vous voulez. C'est sûr que, tu sais, il y a quand même la mise en vente qui débute le 3 décembre, là, mais tu sais, vous pouvez vous organiser en fonction de votre horaire et comment vous avez le goût de le faire. Date importante, si on regarde la cédule, on a le 3 décembre, le lancement pour les coachs avec les 10 premières séances. Ensuite de ça, il va y avoir des vêtements qui vont être disponibles sur Beachbody On Demand le 3 décembre aussi. Le 16, le lancement pour les clientes. Et c'est à partir du 13 janvier jusqu'au 1er juin qu'on va avoir l'accès au programme en soi. Et le 1er juin, le programme va être disponible sur BOD. Au niveau des groupes, le groupe VIP avec Élise donc, va commencer du 6 au 26 janvier. Puis, celui-là, il est simplement pour les coachs. Et celui-là qui va être ouvert aux clients et aux coachs va être du 1er au 14 juin, donc lorsque programme va sortir là, officiellement sur la plateforme de Beachbody On Demand. Donc, le groupe VIP avec Elise, c'est une exclusivité offerte seulement pour les coachs.
Date importante à savoir, le 8 novembre, on va avoir le sizzle vidéo qui va être disponible. Donc, on est déjà le 8 novembre, il est là. Je vous l'ai dit tantôt, il est disponible dans votre tiroir. Ensuite de ça, la page de vente, elle est là aussi sur teambeachbody.com. Donc, si vous allez voir, vous allez avoir des informations au public sur le site. Le 25, on a le simple workout. Ben là, je pense que je me répète, là, le 3 décembre, la période d'achat, le 16, blablabla. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il va y avoir un calendrier préparatoire qui va être disponible le 16 et le guide de défi de groupe qui va être disponible aussi le 16 pour qu'on puisse préparer nos groupes d'avance pour être prêtes pour le début janvier. 6 de janvier, début avec le groupe coach avec Élise, Focus Alimentation. Le 10 janvier, on va avoir nos premières séances disponibles sur BOD en après-midi. Donc, le vendredi après-midi, on va, comme ça avait été le cas pour Elite Obsession l'année passée, on a toujours. C'était pas Elite Obsession l'année passée, c'était Transform 20. On a toujours les workouts comme le vendredi pour pouvoir être prêt à commencer officiellement le lundi. Et le 13 janvier, ça commence. Donc, si on regarde un peu le calendrier, ce qui est important de savoir en ce moment, là, je ne l'ai pas traduit, là, j'ai manqué un petit peu de temps. Donc, de commencer à se familiariser avec le programme, de se créer un plan marketing, commencer à en faire la promotion, puis de ne pas attendre nécessairement le fait que en ce moment, on a, c'est comme la promotion No Excuse November, ben justement, ça peut être un bel incitatif. Les gens peuvent se procurer leur pack, commencer dès maintenant avec les belles promotions, puis après ça, ils vont avoir une promotion complémentaire pour se le procurer dans le mois de décembre ou ouais, c'est ça, dans le mois de décembre avec un rabais. Donc, vous pouvez commencer à en parler là, principalement à vos clientes peut-être dans un premier temps, en parler dans vos groupes, puis y aller comme progressivement teaser un petit peu sans trop donner d'informations, peut-être organiser une séance d'information un petit peu plus près de la mise en vente lorsque ce sera le temps de faire l'essai gratuit peut-être. Puis, il peut y avoir des trackers aussi qui vont être disponibles si vous voulez garder des suivis, mais sinon, vous pouvez utiliser votre liste de contacts traditionnelle. Voilà pour novembre. Ensuite, pour décembre, là, c'est là où est-ce que ça va vraiment plus commencer concrètement avec la disponibilité pour les coachs. À partir du moment que vous allez pouvoir faire l'achat le 3, ben, c'est d'acheter votre pack le plus rapidement possible pour pouvoir justement faire le programme, essayer les séances, avoir du matériel de promotion à partager. Tu sais, comme ça va vous permettre aussi de vous familiariser avec le contenu, puis encore pouvoir mieux en parler parce que vous allez avoir les documents à votre disposition. Voilà, c'est pas mal ça. Sinon, ben, il va y avoir aussi, je vais en parler plus loin. En janvier, ben, c'est sûr que là, ça va être plus un peu comme le temps des résolutions. Après les fêtes, on va avoir plein de monde qui va vouloir commencer une démarche de mise en forme. Donc, ça va être un programme parfait pour débuter justement parce que le niveau s'adapte à pas mal toutes les conditions physiques. Donc, ça va être un beau programme pour les gens qui veulent se remettre en forme en janvier. On pourra faire là, le dernier blitz d'inscription jusqu'au 13 pour débuter là, officiellement notre défi jour 1. Idéalement, on pourrait faire en tout cas, moi, c'est probablement comme ça que je vais m'aligner, là, faire une semaine de préparation la semaine du 6, puis commencer officiellement le 13. Ensuite, question. Est-ce que vous aviez des questions dans le chat ou maintenant? Bon, il est où mon chat? Partager. J'ai vu toute une transfo en plus de ce programme. Moi, je n'ai pas vu de transfo du programme, mais par contre, j'ai vu la shape d'Elise. Puis, ça donne le goût de le faire. Pour vrai, elle est très, très, très des muscles vraiment définis. Puis, c'est ce qu'elle disait hein, dans l'appel, qu'avant de commencer Bar Blend, elle était comme un peu dans des habitudes alimentaires où est-ce qu'elle aimait ça, se gâter, puis prendre un bon verre de vin un petit peu souvent, puis qu'elle n'avait pas son six-pack, t'sais. Puis qu'en s'impliquant dans le programme, en le faisant, en le créant, puis en mangeant bien, bien qu'elle est devenue vraiment dans une forme incroyable, puis c'est assez impressionnant. Sur l'accès digital, le rabais s'applique-t-il si un pack défi a été acheté en novembre? Oui, je l'ai dit tantôt. Tu vas me montrer sur le cercle des lionnes. Super, merci Val. Donc, s'il n'y a pas de questions pour le Bar Blend, je vais continuer avec les autres nouveautés, puis si vous en avez entre-temps, vous pourrez me les poser.
Là, est-ce que je suis encore en partage d'écran? Non. OK, on retourne. Fait que deuxième présentation. Autre nouveauté à venir. Donc, je vous ai mis un petit calendrier de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on voit en décembre, on a le Bar Blend qui va être disponible. J'en ai parlé pas mal. On va avoir les Beach Bar Vegan le 3 décembre. Ensuite de ça, janvier, l'accès à Bar Blend. Mais on va avoir aussi un autre programme, c'est un programme préparatoire pour Six Weeks of the Work, mais en même temps, qui peut être aussi préparatoire pour n'importe quel autre programme plus avancé qu'on voudrait faire. Je vais donner les détails un petit peu plus loin. On a le Monthly Fix, le Mindset Membership qui va commencer le 3 janvier, puis le 10 Rounds qui va être disponible pour l'achat le 9 de mars et le 23 de mars pour les clients. Sinon, en termes d'événements, on va avoir le Super Weekend du 10 au 12, la fin de semaine du 10 au 12 janvier, là, je ne me souviens pas pour nous à Montréal, c'est quelle date précisément, mais c'est probablement le 11. En tout cas, je ne me souviens plus. Ça va être à regarder sur la page d'événements Beachbody. Ensuite, il y a la New Leader Conference qui est du 7 au 9 de février à Los Angeles. Il est encore possible de se qualifier. Il faut débuter une qualification à titre de One Star Diamond le 22 novembre. Donc, il reste encore quelques jours pour avoir quelqu'un dans votre équipe qui devient diamant et commencer une qualification pendant 6 semaines pour venir à la New Leader Conference. Je sais qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont y être de l'équipe cette année. Ça risque, moi, je vais y être. J'ai des coachs qui vont être là aussi. Je sais que Valérie va être là aussi. Il y a Roxane Manzo qui va être là aussi. Donc, c'est vraiment un bel événement. Moi, ça a été un game changer dans ma vie de coach. Ça m'a vraiment permis de développer mon leadership, de voir les possibilités qui s'offrent à moi. Puis, c'est un bel objectif à se fixer. Puis, c'est pas parce qu'il reste juste 9 jours que c'est pas possible. Tout est possible quand on veut. Il faut juste avoir un plan de match béton puis le suivre. Donc, sinon, il va y avoir la Team Cup du 1er au 29 février et le Voyage Success Club du 21 au 29 de mars. Si on regarde ça plus en détail, les Beach Bar Vegan disponibles en boîte de 1, 2, 3 boîtes, 15 bars, même chose que les Beach Bar régulières. La particularité, c'est qu'ils sont vegan, donc pas de gluten, pas de. Puis ils sont vegan, sont faits à base de protéines de pois, contiennent 9 grammes de protéines, 4 grammes de fibres, seulement 150 calories. Puis la saveur, c'est amandes et chocolat. Et moi, j'ai goûté à la New Leader, non, c'est pas la New Leader Conference, c'est la Leadership Retreat. Et c'est vraiment un goût qui est crémeux, un goût qui est doux. Tu sais, si vous êtes habitué avec, par exemple, la saveur cerise et amande, qui a une note un peu plus sucrée à cause de la cerise, c'est sûr que celle-là est plus douce, là, plus low profile, parce que c'est des saveurs douces, amande, chocolat. Elle est vraiment super bonne, crunchy. Puis, voilà. Donc, vous avez sur le site de Beachbody en domaine un article de blog que vous pouvez aller voir pour vous renseigner sur vraiment plus de détails pour la Beach Bar en soi, mais elle va être disponible le 3 décembre. Donc, vous pouvez en faire la promotion là, à vos clientes qui ne pouvaient pas se procurer peut-être la Beach Bar régulière parce qu'elle n'était pas vegan. Puis, dans vos stories, un peu partout, là, pour dire que vous avez dans hâte d'y goûter, etc. Sinon, 4 Weeks of the Prep, dans le fond, ça va être disponible pour les gens qui se procurent le 6 Weeks of the Work. Donc, on ne peut pas l'acheter indépendamment. C'est vraiment avec le pack qu'on reçoit ça, comme ça avait été le cas pour le Little Obsess. Et en fait, c'est 11 séances d'entraînement uniques pour faire sur une période de 4 semaines et se préparer finalement à pouvoir faire le 6 Weeks of the Work. Donc, le lancement va être le 3 janvier. Donc, ça peut être une belle option pour encore là les résolutions du nouvel an pour quelqu'un qui serait plus intéressé par un programme musculaire que par le Bar Blend. Et commencer, par exemple, le calendrier 4 semaines avec ce programme-là, puis après ça, faire le 6 semaines avec 6 Weeks of the Work. Il va y avoir encore une version explicite et une version non explicite. Et ça va être sur BOD le 3 janvier. Donc, vous pouvez voir la FAQ pour plus de détails. Ensuite,
Prochainement, ben là, je fais juste vous glisser là, des mots de ça pour que vous soyez au courant, là, mais bombardez pas votre monde avec toutes ces affaires-là parce que là, vous allez perdre le fil, là. Concentrez-vous sur une affaire. Là, présentement, on devrait être en train encore de parler de 6 weeks of the work pour les gens qui sont intéressés à le commencer avant la fin de l'année. Puis, tu sais, comme après ça, orienter votre commencer à changer vos publications pour plus vous aligner vers le bar blend. Mais le 10 rounds, moi, j'en parle pas, mais pas en tout de suite, là, parce que sinon, je viens comme mélanger mon auditoire, puis je sais plus quoi publier moi non plus parce que je suis trop mélangée dans tout ça. Fait que je veux juste que vous soyez au courant que ça s'en vient. Peut-être juste glisser un mot à vos clientes actuelles, mais pas nécessairement d'en parler sur vos pages, là. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Donc, ce programme va sortir en mars. C'est avec Joël et c'est 6 semaines qui vont vraiment varier musculation et arts martiaux, donc principalement comme la boxe. Et ça va travailler notre cardio, évidemment, et nous permettre là, vraiment d'avoir une belle transformation avec le programme. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille de vous abonner à la page de Joël, où est-ce qu'il va probablement donner plus d'informations au fil des semaines. De aussi regarder sur Team Beachbody Coach 411, où est-ce qu'on a toujours des nouveautés qui sont annoncées là. Puis, ben, la vidéo teaser est sortie. Si vous voulez aller voir dans votre COO, je l'ai mis ici, là, elle est disponible dans le COO actuellement. Si vous voulez partager peut-être dans vos groupes de clientes, là, mais je n'irai pas plus loin pour le moment. Arrêtez de partager, où es-tu? Donc, 21 novembre, date limite pour la NLC. C'est vraiment le tour de ce que j'avais prévu pour vous en termes de ce qui est nouveau à venir. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Il nous reste encore un petit peu de temps si vous voulez en profiter. Que vous allez le faire, le bar blend? Oui, est-ce que vous avez hâte de faire? Je pense que ça va être intéressant aussi, là, tu sais, comme après un programme intense, de faire un programme un peu plus mollo qui va nous faire du bien, puis aussi, tu sais, comme donner une pause à notre corps. Ça fait du bien aussi à un moment donné, si on est toujours trop intense, c'est pas mieux. On va tomber comme en surentraînement, puis on le voit avec Elise qui l'a dit elle-même, il est possible vraiment d'avoir des beaux résultats avec le programme, là. Puis, comment il s'appelle, Emola. Il a fait une séance à la Leadership Retreat avec nous, puis tu sais, il a trouvé ça vraiment intense, là, puis il avait mal aux muscles le lendemain, fait que c'est la preuve que c'est quand même un programme vraiment intense. Moi, j'ai été très surpris, là. J'ai hâte de faire le 10 rounds. Oui, moi aussi, le 10 rounds, ça m'attire beaucoup. Les beach bars régulières sont-elles sans gluten aussi? Si ma mémoire est bonne, oui. Il me semble oui, parce que j'en prends. Ça doit être sans gluten. Mais sinon, tu peux aller voir dans les FAQ pour avoir l'information juste, mais de mémoire, oui. Autre point que vous voudriez regarder. Sinon, je vous laisse. Je vais partager les slides pour que vous ayez l'information. Je vous conseille vraiment d'aller voir tout ça, vous faire un petit calendrier, puis d'établir, tu sais, comme votre plan de match, mettre vos dates sur votre calendrier, établir une structure, penser à des publications, comment vous allez amener ça, à qui vous allez vous adresser, préparer vos messages, c'est comme quand vous allez faire vos invitations, qu'est-ce que vous allez dire aux gens, puis pourquoi vous voulez le faire. Premièrement, c'est toujours de se centrer là-dessus, hein. Pourquoi il vous intéresse ce programme-là, puis pourquoi une personne devrait le faire, pourquoi lui plus qu'un autre, puis ben, d'orienter là, vos publications dans ce sens-là, puis d'avoir aussi un fil conducteur de pas trop donner d'informations, puis être plus précis, plus que le temps va avancer pour avoir vos inscriptions. Alors, ceci étant dit, je vous souhaite une belle fin de journée, puis à bientôt. Salut!